Ohio, c'est Gunshot de la Fumessime. Aujourd'hui, je suis sur un petit jeu qui s'appelle Robocraft, qui est gratuit sur Steam. Il est en alpha, je crois, ou en bêta. Enfin, du moins, il est en phase de bêta, quoi. Donc, c'est un jeu que Apo de la Fumessime nous a proposé d'aller dessus. Donc, moi, je suis allé voir et maintenant, je suis niveau 14. Ça fait 2 jours que je joue. C'est assez intéressant de faire son propre robot véhicule, on va dire. Donc là, j'essaie de faire un petit véhicule assez simple. Enfin, en essayant qu'il soit assez résistant pour un T3. Un TR3. Parce que il y a différents. Il y a plusieurs tiers. Donc, comme vous voyez là, jusqu'à tiers 10. Et pour l'instant, je peux accéder qu'au tiers 3 en fait. Grâce aux équipements que j'ai pu débloquer, qui sont dans la Tech Tree, ou Tree, je sais pas. Je suis pas très bon en anglais, vous savez déjà. Donc là, il y a tout ça débloqué en fait. Avec les points qu'on gagne à chaque partie quand on a tué. Dépendamment s'il faut tuer quand même. Il faut tuer du monde. Bon, après, avec ça, l'argent, on peut acheter plein de. Les RP, c'est gratuit et GC, bon, c'est des trucs payants. Donc vous voyez, j'ai assez débloqué certains trucs qui sont assez sympathiques. Bon, ça c'est du, on va dire, cosmétique, comme c'est écrit. Mais là, ce qui nous intéresse, hop, c'est finir ce petit véhicule. Alors en mouvement, je vais déjà mettre, alors la flèche est là, hop, je vais mettre mes roues de direction. Que je vais appliquer mes roues pour accélérer. On va mettre là, comme ça, hop. C'est de faire un sorte de petit tank, de préférence. Dommage que je peux pas encore débloquer ceci là. J'ai pas encore assez de points. Bref, c'est dommage. Parce que c'est vrai pour défendre les roues en fait. Parce que ça fait un peu on va dire ça, on va dire pas emmerdant. Vu que je dois protéger mes roues. Et des blocs. Et ça prend des places de B flop. Bon, ça, après ça, ça varie. Bon, ça c'est que un normalement les petits blocs comme ça, sauf ceux-là qui prennent normalement 3, je crois. Ouais, c'est, mais ça c'est pour la cabine quoi. C'est une défense cabine. Bon après les guns, les premiers guns, ils prennent pas beaucoup de place. 12 flops, après c'est 14. Donc après il faut gérer quoi, comme plus gros là, 18, comme pour les roues, hein, les trucs pour voler. Donc c'est assez stratégique. Après il faut savoir bien construire un véhicule, sinon ça va pas marcher. Parce que j'ai vu des véhicules assez intéressants, mais il y en a vraiment qui étaient vraiment pas à la hauteur. Ok, c'est parti. Shit. Et après c'est bon, ça va. Alors, on va faire le tour. Je crois que normalement il est un peu plus petit que d'habitude. Je vais essayer de faire le tour du véhicule, comme ça, ça fera une défense assez intéressante. Voilà. Peut-être penser à faire la, mettre le truc pour la cabine quoi. Aussi il y a une chose, c'est à débloquer c'est ceci. Aliment rectifié quoi. En gros c'est pour une sorte de. Qui est là. On doit mettre ça sous la caisse de préférence. Ça sert à nous faire relever si on est dans une situation assez chiante. Vu que le véhicule on peut le retourner sans arrêt et tout. Donc c'est pas vraiment cool quand le véhicule est à l'envers quoi. Et que tu te fais défoncer en moins de 2 par des personnes qui arrivent par derrière et bim.
c'est pas très intéressant. Merci de débloquer ceci que je vais mettre là. Hop. C'est pour détecter les ennemis sur la map. Et franchement, c'est vraiment utile, ça peut sauver beaucoup de fois. Alors, on va essayer de mettre les premiers canons. Alors, du moins, je vais mettre un canon frontal là, là et là. Donc, du moins, un canon frontal c'est vraiment efficace et celui-là il pique. Si je me souviens bien, c'est quand même le T3. Ouais, ça va. Donc voilà, on va mettre ça, hop. Tac. Je crois que j'ai fait une gaffe. Ouais. Faut faire attention là, hop. Ce serait plus simple de les mettre là, les canons. Je suis un peu étourdi là. Comment est-ce que je tire dans le derrière, mais c'est pas vraiment efficace. Pour mieux fixer l'ennemi qui est devant moi. Faut acheter un attack. Hop, hop. Voilà. On va commencer à blinder là. Tac, tac. Comme ça, comme ça. Hop. Cela. Donc on va mettre cela ici pour la défense. Hop. On va mettre cela. Ok, bon je vais mettre une défense au-dessous, certes, mais c'est toujours une bonne défense. On va commencer à... Hop. On commence à mettre les plus gros, je pense, à l'avant. Non, on va mettre les petits. Ça sera mieux. Merde, j'ai fait une gaffe là. Faut reculer. Entendu un petit bruit, c'est que je suis passé au rang, ouais, au rang 2 quoi, pratiquement. Donc en gros, c'est en fonction de ce que vous mettez sur votre petit vaisseau ou sur votre tank qui fera monter level, on va dire entre guillemets, du véhicule. Et franchement, c'est vraiment pas mal ça. Il est un peu à découvert, mais bon. Je vais recomposer mon petit mur de flingue. Je vais faire plus de petits. On va commencer d'y avoir. Ça sera là. Hop. Je peux pas le mettre là. Ok. C'est là. C'est là. Hop. Je peux pas poser le cube là.
vite. Hop. Celle-là, hop, comme ça. Bon, déjà, ça fait. Combien j'ai mis? Il reste 4 à poser. Tandis, ça prend 12 flops. Ok, je crois que j'ai assez pour en mettre d'autres. Parce qu'il faut que je pense à. Parce que le derrière il est un peu à découvert. Je crois que l'empêche en mettre. Ouais, mais ça pourra couvrir. Que ce soit symétrique quand même, qu'on s'en sent pas n'importe quoi. Attends, j'ai mis. Ah ouais, j'ai mis sur celui-là, ok. Hop. Et pour pas gêner l'autre, je crois que je vais mettre là. Je crois que je vais avoir cette place. Ok. Non, ouais, comme là, ouais, il me reste assez peut-être pour cafeutrer un peu les roues derrière, je pense. C'est assez juste. Et je pense que je peux m'en tirer. On va défendre ça. Voilà. Donc, pour niveau, par rapport au niveau où on gagnait des places de CPU P-flop. De toute façon, à chaque niveau vous recevez, je crois, moins de 20, je crois, comme ça. Donc voilà. Bon, ben quand même, on va essayer une petite bataille quand même. Donc c'est parti. Espérons qu'il y a du monde qui se fight à cette heure-ci. Non, bon, ça c'est. Voilà. On a trouvé une partie. Bon, essayons de faire le max de kill et espérer gagner. Donc voilà mon petit robot. C'est bon, ça suit pas mal. Bon, graphiquement, il est pas vraiment très 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 beau entre guillemets, mais c'est déjà ça. J'ai vu. Ok. Thank you, toi, chauffeur. Capturer la base qui est en face. Le principe de mieux à faire, c'est en fait dégommer tous les ennemis en face. Sans sortir de la bonne nature. Waouh! Je crois que je me fais défoncer! Ah, je suis fort. Je venais de perdre, mais ils sont plus puissants. Ils étaient plus au même endroit. Quand même, l'avion est bien descendu. Ou alors, je monte un peu la cam. Lui, il est en train de se faire défoncer par un canon plasma qui est énorme d'enfoiré. Comme vous pouvez le voir. Dans mon inventaire, mais ça le garde pour un vaisseau que je ferai si j'ai assez de combo. Ouais, pour moi, je tire bien. Ouais. Il y avait un derrière. Le volant sera plus dans ce type là. Voilà, je sais pas s'il y a des. Ouais. Si, il a des bons trucs pour voler, des bonnes armes là. Mais je crois qu'on va perdre, je sais pas. Ouais. Des foyers. Il avait force chance. À moins qu'il survit, mais je pense pas. Waouh! C'est ça qui est chiant avec ces trucs de vaisseau là. On se retourne assez rapidement. Voilà, c'est la fin. Les haricots. Team défaite.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le petit jeu, mais je referai peut-être d'autres vidéos un peu plus tard pour montrer quand on joue à un vaisseau. Et quand vous gagnez en fait la partie, vous gagnez des points RP, donc pour acheter plein de trucs et après vous réparer votre vaisseau de préférence, c'est très utile. Donc après vous avez les stats et tout, donc voilà quoi. Et les étoiles, tokens, c'est par tiers en fait. Si vous avez vécu le tier 1, vous pouvez récupérer. Attendez, la grille, je crois qu'elle est là. Ok, donc voilà, ça c'est le T1 en fait. Vous pourrez débloquer tout ce qui est en étoile 1 avec les points, ça ainsi de suite quoi. Et après, si vous avez la chance, normalement on a un petit G-cost dès le départ, mais bon, après chacun ses achats. Mais vous pouvez acheter des UB points. En gros, c'est par exemple là, je sais pas si j'en ai trop, par exemple du T2, je fais ça, hop. Et je ramasse ça par exemple, et ça on peut utiliser par exemple pour ça en fait, sans avoir les points du rang en fait qui est demandé. C'est très utile, mais bon, ça prend quand même de l'argent réel, c'est assez chiant. Mais bon, après, pour dire, c'est pas trop excessif en euros, 3,45€ pour 4500 crédits, c'est pas vraiment horrible quoi, comme prix. Donc, ça c'est assez sympa. Après, on a la. On peut faire des plateaux, mais après c'est chiant que c'est pour les premium quoi. Mais bon, on peut être déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà, après on est tout allumé. Après le garage, on peut faire jusqu'à 3 véhicules. Après le 4ème, il est bien sûr payant. Après, moi je trouve que c'est pas vraiment un pay to win, donc après il y a toujours moyen de faire son bonheur dans ce jeu. Vu qu'il est en alpha ou bêta, je sais pas, je m'en rappelle plus. Donc voilà, donc ça peut être vraiment intéressant comme jeu. Et en plus il y a beaucoup de blocs à débloquer, je sais pas si vous voyez, déjà il y a jusque le T10, donc imaginez bien qu'il peut être assez durable. Ça fait 2 jours que je joue et je suis qu'au tier 3. Donc voilà quoi, c'est. C'est assez bien quoi. C'est pas mal. Donc voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo, on va dire d'intro du jeu. Pour montrer un peu comment ça se passe quoi. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.